Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de notre série de vidéos consacrée au jeu vidéo Miraculous Rise of the Sphinx. Dans le dernier épisode, nos héros avaient sauvé Chloé qui s'était transformée en Clonica, mais ensuite un énorme monstre était apparu sous la forme d'une chenille et l'avait emporté sous Paris. Découvrons ce qui va maintenant se passer. Oh non, pas maintenant! Rien à faire, moi aussi je vais bientôt perdre ma transformation. Chloé va devoir attendre, malheureusement. Quoi que ce soit, ce monstre semblait plus intéressé par le fait d'emmener Chloé que de lui faire du mal. Rechargeons nos batteries et allons secourir Chloé. Exactement ce que je me disais. On se retrouve tout à l'heure. Les choses évoluent de façon intéressante. On dirait qu'un nouveau joueur a fait son apparition. L'enlèvement de Chloé pourrait être l'occasion de passer au niveau supérieur. Je dois à présent réfléchir à mon prochain coup. Nous interrompons notre émission pour diffuser un flash spécial. Une nouvelle menace a fait irruption sous la forme d'une chenille géante qui vient d'être aperçue près de la place de la Concorde. D'après des témoins, elle est sortie du sol à l'endroit même où Ladybug et Chat Noir affrontaient un autre super vilain akumatisé, connu sous le nom de Clonica. Nous avons pu confirmer qu'avant de disparaître, l'énorme chenille a enlevé la fille de notre mère, Chloé Bourgeois. En réaction, Monsieur le maire Bourgeois a décidé de fermer tous les établissements scolaires de Paris jusqu'à nouvel ordre, craignant que la chenille ne s'en prenne à d'autres enfants. La police est incapable de localiser la chenille. Par pitié, Ladybug et Chat Noir, si ce message vous parvient, toute la ville compte sur vous. Tu as entendu les nouvelles, Tiki? Cette chenille reste introuvable. Et elle a capturé Chloé. On doit faire quelque chose, Marinette. Tu as raison, ratissons le quartier à la recherche d'indices. La chenille a sûrement laissé une piste. On doit la retrouver. Mais comment? La chenille doit probablement laisser de la soie partout sur son passage. Si on trouve assez de soie, on aura une idée de sa position, ou en tout cas, de là où elle va. Bien vu Marinette, partons à la recherche de cette soie. Et voilà les amis, nous contrôlons à nouveau Marinette dans la ville de Paris. Et maintenant, nous devons rechercher 5 morceaux de soie pour découvrir où se trouve la chenille. Mais avant de poursuivre les recherches, je vais d'abord passer chez Maître Fou pour améliorer les compétences de mes personnages parce que j'ai récolté beaucoup d'orbes bleues lors des dernières missions. Sur cet écran, vous pouvez acheter des nouvelles compétences pour vos personnages et ici, vous pouvez améliorer leurs statistiques. Je vais acheter la compétence Ricochet pour Ladybug. Et je vais aussi améliorer ses dégâts. Et voilà, maintenant que j'ai amélioré ses compétences, je vais pouvoir partir à la recherche des morceaux de soie qui se trouvent dans Paris. Pour cela, je vais suivre la flèche jaune qui m'indique leur localisation.
Bravo Marinette, tu as déniché un indice. C'est ça, si on en trouve d'autres, on se rapprochera de la chenille. En avant! Ça en fait deux. Il est probable que la chenille soit passée par là. Continue comme ça, Marinette. La place du Châtelet est un de mes endroits... 1, 2, 3, on se rapproche du but, Tiki. Oui, encore un peu et on saura où est passée la chenille. Bien vu, Marinette. Les traces que nous avons suivies nous amènent ici. Quelque chose me dit qu'on arrive au bout de la piste. Allez, Tiki, il n'y a pas une minute à perdre. On dirait bien que la résolution de cette affaire avance à grands pas, inspectrice Marinette. Tu as déniché assez de soie pour qu'on puisse repérer une piste. Exact. Et elle nous mène jusqu'à cette bouche de métro. La chenille a dû l'emprunter. C'est ici que ma contribution s'achève. Je laisse Ladybug se charger du reste. Donne le signal, Marinette. Attention, tu vas sortir du quartier, tu ne pourras plus y revenir. Allons trouver la chenille. De la soie partout! Et voilà, maintenant que nous avons localisé la chenille dans le métro de Paris, nous allons entamer une nouvelle phase d'exploration dans laquelle nous allons récolter le maximum d'orbes bleues jusqu'à trouver le prochain boss du niveau. Au moins après ça, ça en fera toujours un de moins! Problème résolu! Je ne vais pas te laisser ici tout seul, petit macaron! Super! Un macaron pour Tiki! Un! Pas de repos pour les braves! La chenille a creusé un tunnel dans le métro. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! On dirait qu'il va y avoir de l'action. Je finirai par t'avoir. Tu me le paieras! Cool! Aïe! J'ai besoin de plus d'énergie. Ça, je l'avais pas vu venir.
chenille a creusé un tunnel dans le métro. Wouhou ! Tu aimes danser ? Restons-en là. Super! Un macaron pour Tiki. Un! Wouh! Hors de mon chemin! Je vais le garder pour le Kwami de Ladybug. Qu'il va y avoir de l'action. Tout est sous contrôle. Hors de mon chemin. Super. J'espère que t'es prêt pour la bagarre. Dans tes rêves.
Prenons à droite. Cool. Ce macaron a l'air plutôt rare. Je vais le garder pour moi. Règle la question. Qu'est-ce qui se passe ici? À perdre. Dans tes rêves. Attention! Ne me fais pas rire. Thank you.
que tu dirais d'une bonne châtaigne? Continuons comme ça. On pourrait faire ça toute la journée. Fastoche. Restons-en là. Fouillons l'endroit pour trouver des indices. Danser. Tu me le paieras. Ça, je l'avais pas vu venir. C'est pas la grande forme. Je finirai pas. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, Lady. Tu dirais d'une bonne châtaigne. Aïe! Fais pas rire. Thank you.
Mon senti-monstre n'a pas terminé sa croissance, mais il est déjà suffisamment puissant pour vous battre. Vous trouvez pas ça étrange que le papillon vous laisse faire tout le boulot? Plume, attaquez! Et voilà, nous avons trouvé le prochain boss. Il s'agit de Mayura et de sa chenille. Pour battre la chenille, vous allez devoir éviter toutes les boules de soie qu'elle va vous envoyer. Vous pensiez que j'allais juste rester là, regardez. Pour cela, il faudra courir vers elle en courant vers le haut ou vers le bas et vous rapprocher de la chenille par l'arrière. Goûtez à mes plumes! Ça, je l'avais pas vu venir. J'imagine qu'on peut passer aux choses sérieuses maintenant. Lâchez-moi! Vous n'avez aucune chance contre ma chenille. Donnez-moi vos Miraculous! Vous ne croyez pas qu'il serait plus sage de me donner vos Miraculous? Vous ne voudrez pas être dans les parages quand mon senti-monstre évoluera, croyez-moi! Alors donnez-moi vos Miraculous! Mon senti-monstre va vous écraser! Vous trouvez pas ça étrange que le papillon vous laisse faire tout le boulot? Vous n'avez aucune chance contre ma chenille! Donnez-moi vos Miraculous! Cataclysme! Je ne vois rien! Moi non plus, et on n'a plus le temps d'y aller, Malady! Il faut qu'on fasse une pause pour aller nourrir nos Kwami. Tu lis dans mes pensées, Bugginette. Tiens bon, Chloé. On ne t'abandonne pas. Bien joué! Et voilà, nous avons battu Mayura et sa terrible chenille. C'est tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode de notre série de vidéos consacrée au jeu Miraculous, je vous montrerai la dernière mission du jeu dans laquelle nous allons affronter le Sphinx. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos miraculeuses.